Je m'appelle Elena Vallée-Dallaire et je suis excitée de vous parler de l'exposition Artistes d'ici qui va avoir lieu à l'Assemblée nationale cet été, à partir du 5 juillet. Si tu veux vieillir, on ne peut pas arrêter ça, mais on peut rester jeune en vieillissant. Je suis d'une longue lignée de gens qui vont semencer la terre, les damnés de la terre. Donc des gens qui vont ni être reconnus, ni être félicités pour le travail qu'ils font, mais qui vont être les piliers du changement. Alors c'est une exposition qui m'habite depuis très longtemps. C'est un projet que j'ai commencé en 2018, alors que je revenais de ma maîtrise à New York et j'avais l'impression de connaître absolument rien du milieu des arts visuels au Québec. Et j'ai voulu apprendre des gens qui faisaient de l'art ici depuis plusieurs années, nos artistes forts du Québec. Et donc je suis allée rencontrer des artistes tels qu'Armand Vaillancourt et Peter Gnass dans leur studio. J'aurais posé des questions. Ils ont fait preuve d'une grande patience et ils ont partagé leur histoire, leur pratique. J'ai voulu partager avec tous ceux qui souhaitaient plonger aussi dans cet univers de l'art visuel au Québec ces informations. J'ai souhaité créer une exposition qui permet aux gens de rencontrer des artistes importants du Québec de façon un peu plus intime, donc à travers une peinture que j'ai réalisée d'eux dans leur studio souvent, mais sinon dans des situations, dans des lieux qui représentaient leur pratique artistique, et accompagnée d'une trame sonore d'eux, un peu comme si on prenait un café avec eux. Somehow in the layering process of building the image, the characters are invested with some kind of, you know, life energy that I'm putting there. So it's me. Grand plaisir de partager ces rencontres avec vous.